Et bonjour les gens, c'est Mister Noz et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit let's play sur Stexos Taxel. Alors, la dernière fois que je vous ai fait une présentation sur ce jeu, on était dans la version sapling 1.1.45. Là, il y a eu une mise à jour, j'attendais une grosse mise à jour. On est en 1.1.51. Donc il doit y avoir quelques nouveautés, on va aller voir ça. Alors, ce petit let's play, je pense qu'on va le tourner sur 2 jours de jeu par épisode. On va s'éclater, je pense. Alors ça va me permettre de vous montrer les débuts, tout ça. Alors l'objectif ça va être de défricher, de s'installer. Et puis on va s'attarder un petit peu plus tard sur les éléments de RPG. Un petit peu plus tard, là ça va être la découverte. On va lancer une partie, je vais vous passer les temps de chargement. Et let's go, c'est parti. Alors ça, hop, c'était pour mes tests. Alors j'avais tourné la veille, mais ça me plaisait pas, le son était un peu trop fort. Ça passait, hein, mais voilà, la musique était un petit peu trop forte. Donc là, j'espère que mes réglages sont bons. Allez, hop, on va faire un nouveau monde. Hop, je vais vous montrer ça. On va faire, on va voir la création de personnages, mais on va pas trop s'attarder dessus. Et puis c'est parti. Lancer, autoriser les amis à rejoindre. Je pense à quelqu'un. Peut-être que je l'inviterai un petit peu plus tard dans le let's play. Mais on va commencer en solo. Let's go, c'est parti. Alors, nous voici avec notre bonhomme. Alors, ça charge encore. Est-ce que tu veux bien afficher? Oh, c'est qu'est-ce que c'est? T'es un monsieur toi? Non, t'es pas un monsieur toi. Oh là, il y a comme un bug, on dirait, déjà d'entrée de jeu. Alors, on peut y mettre des grandes oreilles. Alors, pourquoi tu me mets une dame? C'est une dame ça? Ah non, ça c'est une dame, d'accord. Ça c'est un monsieur. On voit pas une grosse différence au niveau des animations non plus. Alors, on va choisir la deuxième animation. On va lui faire, hop, une tête. Oh là, il y en a des choses ici. Alors, moi j'aime bien leur mettre les cheveux rouges déjà, mes persos. Alors non, alors déjà j'ai pas la bonne catégorie, hop, de personnages. Voilà, est-ce qu'on peut tourner? Oui, on peut tourner. Ah, elle est bien comme ça. J'aime bien cette coupe de cheveux, moi j'aime bien. Alors, on va garder ça, hein. Bon, il y en a différentes. Hop, on a vu Maximilian, hop. Mais oui, d'accord, ah quoique. Moi j'aimais bien, j'avais une coupe de cheveux que j'aimais bien. Mais je ne sais plus si elle est disponible. C'était, il avait moitié les cheveux longs, mais les cheveux longs attachés. Alors, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Hein. C'est peut-être ça. Oh non, bah non, ça fait un peu trop féminin à mon goût. Alors, pof, c'était ça. Voilà, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Alors, le débardeur, c'est pas génial. Au niveau de la tête, bah c'est bien comme ça, moi ça me plaît. Hop, oh, pas content. Alors, oh, bah pas content non plus. Non, j'aime bien. Ah, quoi que, bah là, on dirait qu'il louche. Donc ça, c'était pas mal. Ça fait tout kawaii. Et puis, au niveau du t-shirt, on va choisir une autre couleur. Donc on a juste le débardeur. En jaune, c'est pas mal. Oh là 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 là. Ouais, le débardeur, c'est pas super cool. Un pantalon. Allez, pantalon noir. Et les boots, on va lui donner... Allez. Les chaussures rouges, ça fait quoi les chaussures? Oh, c'est sympa! C'est sympa comme ça, là, les boots en rouge. Allez, hop, on valide! Alors, je vais vous faire un petit peu de lecture. Ça va être marrant. Salut Maximilian, t'es super sympa comme mec. Coucou, tiens, nouvel arrivant. On n'en a pas beaucoup par ici. Tu dois être Nozis Back. Ah oui, mince, j'ai pas changé le nom. C'est pas grave. Alors, au nom de nous tous ici à Staxel, sois le bienvenu. Au fait, moi c'est Fan, je le sais déjà, on m'a envoyé pour s'assurer que tu sais comment t'occuper convenablement d'une ferme. C'est bien toi, n'est-ce pas, qui vient s'occuper de la vieille ferme? Ah oui c'est moi. Alors, parfait, je le savais, c'est très bien. Alors, veux-tu apprendre comment fonctionne l'agriculture? Non, je le sais déjà, tu parles à un jardinier. Je peux te faire un tour du village et évaluer tes compétences? Non, merci, ça va aller. Nous devons nous assurer que tu sais ce que tu fais. Ensuite, nous pouvons te donner une licence agricole, mais j'en ai déjà une. Est-ce que cela te convient? J'ai déjà une licence de fermier, hein, parce que j'ai un petit peu rodé le jeu, j'ai un petit peu plus de 80 heures dessus. Alors,
Oh, vraiment, c'est encourageant. Bah tiens, tu m'étonnes. Tu as besoin d'une nouvelle licence. Mais je vois que tu as déjà ta lettre d'enregistrement prête pour ça. Tout à fait. N'oublie pas d'aller voir Maximilien à la mairie. Maximilien. Ah, mais ils ont corrigé. C'était Maximilian avant. Ah, ok, d'accord. Il y a toujours la grange à construire. Bah tiens, on va rigoler, on va faire un gros cube. Oh, j'ai oublié, j'ai un animal de compagnie pour toi. Lequel aimerais-tu? Alors, on va prendre le chat. Et puis, comme on avait fait Fripouille dans l'autre épisode, et bien là, ce coup-ci, on va faire Délice. Hein. Délice et Fripouille, ce sont mes chaminettes. Et voilà, bonne chance avec la ferme. Merci bien, fan. C'est sympa. Maximilian, viens ici. Viens ici. On est à la mairie. Maximus, hop. Maintenant que j'y pense, je me suis pas convenablement présenté. Je suis la mère de ce petit village. Oh, est-ce votre lettre d'enregistrement agricole? Parfait, permettez-moi de vous débarrasser de ça. En échange, voici votre licence et quelques objets très utiles. Voulez-vous déposer votre lettre d'enregistrement agricole? Bah oui, oui, s'il vous plaît, monsieur. Fantastique, voici votre licence. Je lui donne un air moitié sénile. Nous avons aussi quelques petites choses pour vous. Très bien, vas-y, envoie. Nous sommes tous impatients de vous voir relancer la ferme. Maintenant que votre licence agricole est officiellement enregistrée, nous allons enfin pouvoir nous débarrasser de ce bétail égaré. Mais avant que nous puissions faire cela, vous devez bâtir une grange. Je ne suis pas certain d'être la personne la plus qualifiée pour vous conseiller à ce sujet. Je vous suggère d'aller voir Aliza. Ah bon, on va aller voir Aliza. Elle répondra à tous vos besoins. Ah, oh, c'est sympa ça. Vous devriez pouvoir la trouver vers le magasin de construction. Sinon, utilisez la carte pour la localiser. D'accord. Revenez me voir après ça et je vous donnerai quelques vaches. Bah t'es sympa toi, tu donnes des vaches comme ça que tu sors de ta poche. Allez, merci Maximilian, monsieur le maire. Allez, hop, c'est Maximilian ou Maximilien d'ailleurs. Hop, bah c'est Maximilian. Voilà, non mais arrête de me regarder comme ça, tu me fais peur. Alors, on va aller voir Aliza des Alizés. Hop, et le vent soufflera. Qui est où? Oh, il y a des jolies maisons, dis donc. Il n'y avait pas des maisons comme ça avant. Oh, il y a du nouveau. Alors, Aliza, elle va être là-bas. Alors, Aliza, elle a un accent ch'ti, mais je vais lui donner un autre accent. Vous allez voir, on va se marrer. Alors, ouais, parce qu'on va se marrer hein, dans ce let's play, on va se marrer. Alors, la matinée est déjà bien avancée. Et on est presque le soir, là, les gars. Oh, faut pas déconner. Bon, alors, attends. Aliza, alors... Salut Tits, veux bien me donner un coup de main? Je pense pas avoir déjà fait ta connaissance. Je t'insérerais bien la main, mais je pense pas que t'apprécierais d'avoir de l'huile dessus. Ah, je m'appelle Aliza. Si t'as besoin d'aide pour construire des trucs, je suis la personne qui est faux. Je t'ai la licence agricole que je vois. Je t'ai donc Maximilien qui t'en au sujet de cette grange. Je t'ai une toche peu difficile, mais je t'aiderais à t'aider à te familiariser avec le village. Utilise ta dispositif de marquage pour délimiter tes terres réservées à la construction de ta grange. Il en existe toutes sortes et toutes tailles. T'as vu la boutelette? J'étais exactement pareil. Plante ton dispositif de marquage dans le sol en faisant attention de le mettre dans le bon sens, et ça. Il y a un problème de bulle, là, j'arrive pas à lire. Après ça, c'est pour ajouter un œil, un petit coup d'œil comme t'as besoin et avoir une idée de ce qu'il faut pour finir ta construction. Cependant, et garde bien ça en tête. Si t'es grand, je vais au poste quand je suis tout seul. C'est lui qui doit le faire. Je t'ai dit qu'il devrait abattre les arbres, les transformer en blocs de bois et tout construire petit. Tu pourras bien évidemment acheter mes quelques blocs au magasin de construction. Certains matériaux sont un peu difficiles à trouver, tu sais. Vas-y, file. Trouve-t'es un coup sympa pour cet écran, je reviens me voir avec un peu de bois. Une hache devrait pouvoir t'aider avec ça. Et une fois que tu auras coupé un peu de bois, je te montrerai comment transformer en plein de choses intéressantes. Ok, d'accord. Tu vas avoir besoin de bois brut pour la prochaine étape. Va abattre quelques arbres. Quelques-uns de ces grands arbres autour du village. D'accord, bah alors moi déjà, non, d'une, on va passer à l'épicerie, on va dépenser quelques sous, alors c'est bien, j'ai une hache, on a le marteau, on va prendre les outils, donc la grange, on verra plus tard, et par contre c'est déjà le soir, on aurait dû commencer le matin les gars, là, c'est pas cool, hop, là, ça, on va renommer, on va pas installer le chat tout de suite, parce que sinon on va devoir le nourrir
régulièrement et ça va nous coûter de l'argent. Donc on va attendre d'être un petit peu plus à l'aise en finance pour pouvoir lui acheter ce qu'il faut et le nourrir par la suite. Mais hop, on va aller à l'épicerie, on va acheter 2-3 outils. Alors qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut une pioche. Une pioche, on va acheter une pioche. Tête de pioche, allez hop, ça on l'achète. Et une faux, voilà. Et un filet à papillon. Est-ce que je peux? Bah non, j'ai pas assez d'argent. Donc c'est pas grave, hop, on va aller voir. Elle est où ma ferme? Elle est où ma ferme? Hop, la map. Ma ferme, ma ferme. Ma ferme, elle est pas là. Elle est où ma ferme? Ah bah elle est là. Oh, elle a un toit bleu maintenant. Oh, allez hop, let's go to the fun. Allez, on y va. On va défricher tout ça. On va prendre la faux. Tac, 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 tac. Bah du coup, oh, je pensais vous faire un gros épisode, mais ça va être un petit peu plus compliqué. Oh, un papillon. Et on a un filet à papillon. Oh non, bah non, je l'ai pas acheté. Non, bah non, je l'ai pas acheté, j'ai pas assez de sous. Hop, le papillon. Alors, ce qu'on veut, nous, on va récolter quelques graines, hein, dans un premier temps. Ça devrait être sympa. Pof, 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 pof. On va défricher tout ça ici devant. Ah ouais, sans pitié, hein. Hop. Moi, le jardin, je veux pouvoir l'utiliser à ma guise. Donc, on va faire de la place. Alors, il me semble, attendez, parce que ça, ça, on va le garder, là. Cette petite fleur, ça permet aux insectes d'apparaître, du moins. C'est ce que j'en ai compris dans mes parties précédentes. Toc, 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 toc. J'espère que le son est pas trop désagréable. Moi, j'entends pas grand-chose dans mes oreilles, hop, parce que j'ai fait les réglages nécessaires. Là, il y a encore quelques graines. On va préparer ça. Toc, ici, j'ai pas oublié d'en ramasser. J'ai pas oublié d'en ramasser, c'est très bien. On va faire la place, la grange, on va la faire ici. Hop, à la place de l'arbre là-bas, là, du sapin. Hop, de la bièse. Hop, tac, tac, tac. On va défricher, donc ça risque d'être un petit peu redondant au début. Hop, parce que je vais faire... un petit peu de défrichage, n'est-ce pas? Le défrichage, pof, pof, pof. Hop, ça prend un petit peu de temps, mais au moins comme ça, ce sera fait. Autant si atteler dans le premier épisode, comme ça, après, on sera tranquille. Tac, tac, tac. Hop, des graines encore. On va en ramasser un maximum. Ça va nous permettre... Alors après, oui, il va me falloir un multiplicateur de graines. Dès que possible, ça coûte 1000$. Donc, on va faire des sous-sous. Dès que possible, or, histoire d'avoir les premiers outils, les premiers ateliers et les premières stations de cuisson, d'ébullition. Je pense qu'on va commencer par là pour pouvoir faire des recettes et pouvoir s'enrichir assez vite. Oh, la belle libellule. Hop, allez, hop, des graines. Hop, il était temps. Pof, pof, pof. Ah bah désolé, libellule. Hein. Hop, je bousille tout ce qui est herbacé par ici. Pof. Allez, vas-y. Tac, 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 donne-moi tout ça. Tac, les fleurs, les mauvaises herbes. On va faire de la place. Comme ça, hop, on va pouvoir cultiver dès que possible. Il m'a pas filé de graines, si, il m'a filé un petit peu de graines. Oh, un criquet. Ah, sympa le criquet. Normalement, vous devriez l'entendre. Hop, alors moi, comme je vous le disais, oh, une abeille. Ah, mais il y en a des bestioles. Hop, vous avez plus de quoi butiner. Moi, je fais un carnage, tac, tac. Déforestation. Tac, total. La hache aussi, toi tu vas y passer l'arbre. Allez hop, regardez, je vais couper à la base. Et quick, haha, il n'y a plus rien. Je suis méchant, hop. Allez, hop, pop, pop, pop. La four, on a déjà récolté des pétales, ah oui, il faut que j'aille chercher des caisses, il fait déjà nuit. Il fait déjà nuit. Ah purée, alors ça va être chaud. Bon bah l'épisode va être plus court que ce que je pensais. Mais c'est pas bien grave. Tac, tac, tac. Mais comme ça, je vais pouvoir vérifier le son. J'espère qu'il n'est pas trop bas. Normalement, non. J'ai fait des réglages. Alors, ça a été la croix et la bannière. Oh, une menthe religieuse orchidée. Sympa. Eh, mais il y a plein d'insectes, là, par contre, dès le début. On n'avait pas ça. Hein. Enfin, il y avait tous ces insectes-là. Ils étaient intégrés au jeu. Mais on avait plus de mal à les trouver. Hop, ici, on va faire de la place. Hop, hop. On n'a pas été voir dans la maison pour l'instant. On s'en fiche. On va pas installer la niche hein, parce que les chats ils ont des niches. Pof, pof, pof. Ça c'est fait. On y voit plus clair déjà. Tac, 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 tac. Regardez-moi ça. Voilà, on va pouvoir commencer à bosser. Alors, combien j'ai de graines? Combien j'ai de graines? J'en ai 10. Est-ce qu'on les plante maintenant? Est-ce qu'on les plante maintenant? C'est toute la question. On va pouvoir délimiter le terrain. Je vais prendre le marteau. On va virer la caillasse.
Tac, on va aller vendre les pétales. On va peut-être attendre le lendemain pour les pétales. La nuit, elle est en train de tomber déjà. Hop, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux plus tourner la tête? Ah si, je peux tourner la tête. Ah, mais c'est ma souris qui fait des siennes. Hop, là. Hop, donc ça, je le ramasse aussi. Pof. On y va. Ici, on va faire de la place pour la grange. On va aller à l'intérieur bientôt. Je crois qu'il y a des graines que j'ai vues au coin de mon œil. Voilà, que je n'ai pas ramassé. Toc, on va vite passer au deuxième jour. Ah, ils m'ont fait commencer au milieu d'après-midi, les gars, aussi. C'est pas rigolo. Hop, c'est un peu de la triche. Allez, hop, ma faute. Donc, des pétales de couleur. Il me semble que ça sert à colorer les blocs. Je n'avais pas eu ça dans mes versions précédentes. Donc, il va falloir que je découvre ça avec vous. Alors, si vous y jouez à Staxel, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Ça me rendra service. Même si je me balade de temps en temps sur le site officiel, on va aller dans la maison. On va faire passer la nuit pour avoir des informations. J'ai modé aussi hein, mon Staxel, il est modé. Ok, il va falloir trouver de la lumière, trouver la mine aussi. Hop, parce qu'il y a une mine dans le jeu. Hop, on va faire passer la première journée. On va enchaîner avec la seconde. Hein. On est premier jour de printemps, deuxième jour du printemps. Dis-moi d'appuyer sur la barre d'espace, merci beaucoup. Et on se lève. Hop, il est où mon bonhomme? Il est là. Oh, t'es mignon, t'es une grosse tête. Allez, hop, on y va. Ok, le frigo, tout ça, je vais déplacer ça. Hein. Je pense que le frigo, je vais le mettre dans un angle. Ici, je vais mettre une station d'ébullition, à côté une station de friture. Non, la station de friture, je vais la mettre là. Ben, un peu comme je l'avais fait dans mon épisode découverte. Ok, là, c'est pour faire le pipi, le caca. Alors, tiens, je vais placer... Bon, non, on va faire pour l'instant... On va essayer de récolter un maximum de graines. On va faire le premier bêchage. Hop, on va s'installer ici. Alors, il y a moyen de... Hop, si je maintiens appuyé, de bêcher une zone un petit peu plus grande. Mais j'aime bien le faire à la main. Hop, ça, c'est fait. Ici, oui. Alors, j'ai supprimé aussi les sons d'erreur parce que sinon, c'est horrible. Toc, toc, toc. On va faire ça comme ça. On va faire un petit terrain. Pof, pof, pof. Et puis, on va planter les premières graines. On va continuer à défricher. On va aller vendre les pétales de couleur histoire de faire des sous-sous. Acheter un filet à papillons. Bon, comme ça, on va se débarrasser des insectes qui sont là. On va pouvoir les récupérer. Donc ça, c'est pas mal. Pas mal. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on va jusqu'au bout, là, des barrières? Allez, hop, on va jusqu'au bout des barrières. Autant... Hop, optimiser le terrain un maximum. Donc voilà, ça devrait suffire dans un premier temps. Tac, tac, tac. Ici, c'est pas mal. Hop, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Et puis on va supprimer, bah remarque tout ça. Hein. Donc, et puis tiens, regardez, je vais vous montrer ça. Avec la pioche, on peut débêcher. Oui, on peut débêcher les zones. Tiens, hop, parce que là, l'herbe, ça va me gêner. Je veux que ce soit propre. Tac à tac, je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez avec la pioche, ma pioche, c'est pour ça que j'en ai acheté une entre autres. Voilà, regardez, si je repasse sur les zones où ça a été bêché, je peux supprimer tout ça. Hop, comme ça, je fais un carré beaucoup plus propre. Toc, toc, toc. Pour l'instant, ça va suffire. Tac, 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 tac. Et là aussi, tout ça, on va supprimer. Hop, même si avec le temps, hein, ça, la terre reprend le dessus. Hop, hop, donc voilà. Donc les graines. Les graines, j'en ai 11, c'est pas bézef, mais ça devrait suffire pour le moment. Hop, allez, hop, ça, hop. Alors j'ai un petit bug hein, au niveau du clic de ma souris, des fois j'ai un double clic, des fois il veut pas cliquer, mais on devrait s'en sortir quand même, il en reste deux. Allez, hop, on file direction la ville, acheter, hop, le filet à papillon, voilà, comme ça on va choper tout ça, on pourra peut-être les vendre par la suite. Les filets à papillons, j'ai lu dans les informations là sur le site officiel et plouf dans la gadoue qu'on aura possibilité de construire un musée par la suite. Donc on verra tout ça. Mais non, mais il faut d'abord que je vende ce que j'ai à vendre. Ça, je vous montre comment ça se passe. On perd pas trop de temps. Il y a beaucoup plus de faune que précédemment. Tiens, 64. Donc on va en avoir pour 64$. Un pétale coûte 1$, on parle en termes d'étoiles. Si tu veux vendre ta marchandise, qui c'est qui me parle? Ok, d'accord. Dépose ta marchandise sur mon stand et active la table. Il est de l'autre côté de la roulotte. En échange, je te donnerai des pétales. Voilà, l'unité de monnaie,
c'est les pétales. Moi, je parlais en pétales, en dollars, en tout ce que vous voulez. Hop, comme ça, ce sera fait. Mais hop, 64 encore. Pof. Ou alors, ils ne les avaient pas pris. Ça, on va le vendre aussi. Est-ce qu'on vend les cailloux ou est-ce qu'on les garde pour faire du mortier? Je ne sais pas. On verra ça un petit peu plus tard. Je vais aller menuiser les troncs, le bois brut. Comme ça, on va pouvoir cumuler un certain nombre de blocs. Deuxième jour, j'essaye de ne pas perdre trop de temps. Parce que comme on a commencé au milieu de la journée, il faut pas flâner. Alors, Alizé, elle est où? Elle est où, Alizé? Alizé, elle est là-bas. Tu vas prendre le bois, Alizé, hop, Aliza, Aliza des Alizés, hop. On va aller ici. On va se servir de la scie. Elle va nous l'expliquer plus tard. Hein. Mais je prends les devants. Tu prends ça. Hop. Voilà. Tu m'automatises tout ça. Et puis nous, on va défricher autour. Ah. Alors on avait dit un fil à papillon. Oh, une reine abeille. Alors hop, il me faut un fil à papillon. On va pouvoir faire une ruche directe. Elle est où l'épicerie? Elle est où l'épicerie? Alors ça, ça, la reine des abeilles. Si on n'en a pas, on ne va pas pouvoir avoir de ruchers. Au 174, alors hop, un fil à papillon direct. Mais alors, direct automatique, fil à papillon ici. Hop, et on va la chasser directement. Alors, elle était par là. Hop, de l'autre côté. Il nous la faut, il nous la faut. Sans pitié, toi, je te power pas, t'es pas belle. Alors, elle est où? Elle est où? Elle est où l'abeille? Elle est là? Elle est là. Toi, je te veux tout de suite. Voilà, donc ça, ça va nous permettre d'avoir un rucher. Ça, papillon, vient ici. Ah, il y en a une autre là-bas. Ah, il y en a une autre. Oh, c'est génial. On va pouvoir avoir deux ruchers directement. Ça, c'est bien, je sais déjà où les poser. Tiens, on va aller chercher des caisses. Alors, petite astuce, vous avez des trucs qui sont planqués. Hop, par ici, là, vous en avez un, normalement, qui est planqué sous les caisses. On va aller vendre les caisses, ensuite les tonneaux, tout ça. On va se faire des sous, voilà, ça. Hop, voilà, tac à tac, ça je prends, ça je le vends, on va vendre tout ça, on va se faire des sous-sous directement. Et normalement il y a un bâtiment où il y en a un autre, je sais qu'il y en a dans les mines aussi, j'en ai trouvé 3 dans le jeu jusqu'à présent. Pof, ça tu me donnes, allez hop, je te donne mes notes, je te donne mes mots. Et normalement il y a un bâtiment qui possède une cave, qu'est-ce que c'est que ça? Hop, un papillon, viens là. Hop, ouais, mais si je m'arrête à chasser tous les papillons, hop, on n'a pas fini. Alors, je cherche le bâtiment qui devrait avoir une cave sur le teco. C'est pas celui-ci. Non, c'est lequel? C'est lequel? Je sais qu'il y en a un. Hop, là, encore des papillons. Je sais qu'il y en a un. On va pouvoir le vendre. On va pouvoir se faire des sous. C'est dès que j'ai 1000 dollars, j'achète... Une station de multiplication de graines. Hop, comme ça on sera tranquille. Moi je pense que je suis un peu loin là. Ouais, je suis un peu loin. Donc des abeilles. Très très bien, c'est pas ça que je veux. Alors, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Non, on va laisser les papillons tranquilles. Hop, là j'ai ma faux. Ah bon, bah, je sais plus où elle est. On fait le tour du village, hein, comme ça, on visite, allez, ça, les vendeurs ambulants, vous voyez, ça coûte 110 les croquettes, avant ça coûtait 100, mais c'est pour ça que j'installe pas la niche du chat tout de suite, sinon, bah, je vais dépenser mes sous-sous beaucoup trop rapidement. Ça doit être ce bâtiment-là, bah oui, ça doit être ce bâtiment-là, je suis déjà passé devant tout à l'heure, hein. Oh mince, elle est où la cave? On va faire le tour de ce bâtiment-là. Je me demande si c'est pas celui-ci qui doit avoir une cave. Bah non, ça a pas l'air. Ah, je me suis perdu sur le tutu. Ah, les glands, faut les ramasser. C'est pas grave, ça fait une petite balade. Oh, encore une reine abeille. Allez, on va pouvoir mettre 3 ruchers. En plus, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Hop, comme ça, on n'a pas perdu hop notre temps à se balader. Ah mais mince, je la trouve plus cette cave. Je trouve plus cette cave, elle est où? Mais mince alors! Oh mais mince! Alors après elle est peut-être plus intégrée hein, dans cette version, allez savoir. Mais il m'a semblé, on passera du temps un petit peu plus tard. Bon maintenant ça c'est ma ferme.
Bon bah écoutez, on va faire ça. Bon, on va continuer de faucher la ferme. On y retournera un petit peu plus tard. On fera le tour du bâtiment. Alors ici, on va faucher. Derrière la maison, on va continuer. Alors c'est... Voilà, ça c'est la plante qui fait de la musique. Je sais pas si vous l'entendez. Moi j'entends rien dans mes oreilles pour le moment. Hop. De toute façon, je vais tourner cet épisode. Quand je vais l'arrêter, je vais vérifier tout ça. Comme ça, pour le prochain, ça me permettra de faire des réglages. Ça, je vais laisser le buisson pour l'instant. On ramasse le gland. Hop, celui-ci aussi. Hop, on va défricher. Ça, le lierre, on l'enlèvera aussi un petit peu plus tard. La libellule, on va la laisser tranquille. Ça, on défriche. Il me faut de toute façon des graines, un maximum de graines dans un premier temps. Voilà. Hop, donne-moi ça, s'il te plaît. Pof, 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 pof. Allez, go, go, go. La mare au canard, est-ce qu'on la garde, la mare au canard? Oh, des Erica carnea, des bruyères. Ça, c'est bien foutu. On reconnaît quand même quelques variétés. Hein. Est-ce qu'on garde? Non, allez, hop, on éradique tout. Pof, pof, pof. J'ai besoin de place. On changera l'eau, je pense. Non, on va garder la mare, comme ça, on pourra pêcher. Hop, quelques grenouilles, quelques têtards. Dans le futur. Hein, comme ça, ce sera à proximité, ce sera toujours utile. Ça, ici, on va tout démolir, on va tout démonter. Les rochers, les cailloux, ça se casse avec le marteau. Donc, on va faire ça un petit peu plus tard. Donc, pour l'instant, c'est vraiment le défrichage qui est important. Ramasser des graines, les planter. Ah, mais il faut que j'arrose. Parce que, non, ben oui, il pleut pas. Il faut que j'arrose. Parce que sinon, les graines, elles vont mourir. Donc, attendez, je finis de faire ça. On va les planter ça. J'ai mon arrosoir normalement, hein, ils m'ont filé mon arrosoir. Oui, ils m'ont filé mon arrosoir, on va mettre les graines ici. Je vais aller arroser, puis je vais retourner défricher tout ça. Ah, c'est bien, par contre, on a déjà 3 reines abeilles, ça c'est cool. Mon inventaire, elle est déjà super encombrée. Mais oui, sinon les graines, elles vont mourir. Donc on va planter ça, toc, 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 et toc. Voilà, on va arroser directement, voilà, viens ici, ah voilà, hop, allez, hop, je laisse la touche enfoncée, c'est bien, ils ont l'air d'avoir corrigé ça, hop, des fois, ça s'arrosait pas, quoique c'était peut-être le clic de ma souris qui déconnait, voilà, hop, maintenant, ça c'est fait, elles mourront pas, ces plantes-là, il faut les entretenir hein, régulièrement, alors quand on plante des arbres fruitiers, là, on n'a pas besoin de les arroser, mais quand il s'agit de plantes, de légumes, entre autres, il faut les entretenir régulièrement, sauf quand il pleut. Quand il pleut, on n'a pas besoin de les arroser, ce qui semble logique. Comparé à Minecraft, hein, quand il pleut, on est content d'avoir la pluie, ça nous permet d'avoir d'autres activités que de s'occuper de notre terrain. Pof, pof, pof. Quand il neige aussi, pareil, arrivé l'hiver, vous allez voir, il y a des saisons. Les mois durent 16 jours. Donc même les saisons durent... attendez, les saisons durent 16 jours, ça doit être ça. Oui, ça doit être ça. Donc il y a 4 mois, 4 saisons. Hop, ça c'est très bien. Alors par contre on n'a pas encore accès à un calendrier, on devrait avoir un journal aussi dans le futur pour nous dire où est-ce qu'on en est rendu au niveau des quêtes. Pour l'instant c'est pas actif, mais ça devrait arriver incessamment sous peu dans les prochaines mises à jour vu que c'est prévu. Donc on va finir là de défricher ça, hop 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 hop, avec une débroussailleuse ça aurait été plus vite, mais ça aurait été plus bruyant également. Donc hop, alors il n'y a pas de débroussailleuse, hein, c'est moi qui invente là. Mais peut-être, allez savoir dans le futur. Alors apparemment aussi, il y a moyen de prendre le dirigeable, de visiter d'autres contrées. Pour l'instant, je suis resté bloqué, moi, sur le côté RPG dans le jeu. J'avais fait une partie de plus de 40 heures, hein, 50 heures à peu près. Et justement, il me donnait plus de mission les PNJ, donc dommage. Dommage, c'était pas pratique pour avancer. C'est pour ça que j'ai voulu tout relancer. J'ai supprimé mon ancienne sauvegarde. Et là, ça, je vais tourner quand je vais jouer. Donc je risque de faire des épisodes régulièrement. Pour votre plus grand bonheur et pour le mien aussi. Et ça risque d'être sympathique. On a la nuit qui tombe bientôt. Donc je vais planter ce que j'ai trouvé. On a 12 graines, très très bien. Et ça va être bientôt l'heure de la fin de cet épisode. Ça me permet de vérifier des paramètres d'enregistrement, tout ça, tout ça. Alors, il est possible que vous n'ayez pas de générique. Je sais pas pourquoi mon logiciel
de montage, il me fait des caprices. Tantôt il veut bien que j'inclue des génériques, des fois non. Donc ne vous étonnez pas s'il n'y en a pas, ce sera pas très grave. Ce qui compte c'est le contenu. Allez hop hop hop, on arrose tout ça. On arrose, on arrose, on arrose, on arrose. Et puis on va aller faire de la vente vite fait. Qu'est-ce qu'on a récolté? Oh là là, on a récolté un sacré bazar. Et il va falloir que je mette de côté certaines choses. On va aller chercher des caisses. On va aller chercher des caisses. Est-ce que j'ai de la place dans mon inventaire un petit peu? Oui. Ouais, on va faire ça. On va chercher des caisses. Alors c'est marrant parce que j'ai pas trouvé la cave. Mais j'ai fait un tour très succinct du village. Hop. Alors, qu'est-ce où la caisse? Oh, on a Rosemary déjà qui est là. Alors que ça, c'était un personnage que je faisais venir un petit peu plus tard. Hop, là, en lui construisant une maison. Donc ça, c'est variable. Hein. Il y a des, vous voyez, d'une partie à l'autre, il n'y a pas les mêmes PNJ. C'est pas très grave. Donc là, on a la station pour les dirigeables qui est juste ici. Voilà, c'est ça que je veux. Alors, on prend le marteau et on va chercher les caisses. Il doit y en avoir par là, ici. Alors, si je tape directement comme ça, je vais ranger le marteau dedans. Donc, il faut bien prendre l'angle et pof. Et ça, ça va me permettre d'avoir des éléments de rangement. Il doit y en avoir un petit peu d'autres ailleurs, ici. Pof, on va prendre la caisse qui va avec. Hop, elle est où? Elle est ici. Ça, on va pouvoir vendre tout ça. Là, il y en a une autre. File-moi le carton. Hop, le carton, est-ce que je le prends? Oui, j'ai de la place dans mon inventaire, toujours. Il doit y en avoir une ou deux autres. Est-ce qu'on va les trouver? Normalement, oui, là, il y en a une. Donc, paf, dans l'angle, s'il te plaît. Merci. Et puis, on va arriver à la fin de cet épisode. Mais ça va me permettre de ranger des insectes, etc. Il va vite nous falloir construire des armoires, même si dans un premier temps je vais les acheter, parce que les recettes, c'est ça que je vous ai pas expliqué, c'est qu'on va devoir acheter des recettes, les apprendre, et hop, je vais vous faire ça, le jeu se met en pause quand je suis dans ce menu là. Donc il y a des recettes de cuisine, donc les entrées, les plats de résistance et les desserts. Donc voilà, et au fur et à mesure que j'apprends des recettes, je vais apprendre quels ingrédients il va me falloir et la méthode de fabrication. Et c'est valable aussi pour tout ce qui est construction. Donc vous avez cuisine et construction. Voilà, donc là les achievements. On verra ça plus tard. C'est quoi ça déjà? Voilà, ah oui, ça c'est le bestiaire. Oh, la pêche, c'est excellent la pêche. J'espère qu'ils vont rajouter des variétés. Parce que c'est franchement marrant. Il y avait eu un bug, ça on va les vendre. Avant qu'il soit trop tard. Pof, viens là toi. Ici, j'espère qu'ils vont pas tous me causer à chaque fois. Alors on vend quoi? Ça on en a besoin, ça on en a besoin, ça on va le vendre, ça on va le vendre aussi. Les pétales, on les vend s'il te plaît. Les tonneaux, pareil. On va faire des sous-sous, hein. On fait des sous-sous directement, histoire d'être à l'aise. Niveau finance, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sera pas plus mal. Les caisses, on va les garder, pas vendre les outils, si on va en avoir besoin. Les cailloux, les pétales, là j'en ai 9, on va vendre ça. La caisse ici, on va la vendre, on va pas vendre, hop, on va vendre les cailloux. Ça pourrait nous servir ensuite, hein, les cailloux, pour faire des blocs de pierre. Mais pour le moment, comment vous dire que on en a cure. Hop, on va vendre tout ça. Donc là, combien de dollars? 372 $. On va pouvoir s'acheter une station, je pense. Ah ouais, super. On va pouvoir s'acheter une station de multiplication de graines. On va faire ça tout de suite. Hop, avant la nuit tombée. Comme ça, on sera à l'aise pour le deuxième épisode. Tout de suite, le temps que les cultures poussent, je pourrai vous montrer la méthode de transformation. Hop, et de multiplication de graines. Ça va être super pratique. Donc voilà, là, on clean l'inventaire autant que possible. Qu'est-ce que je peux vendre encore? Bah là, les cailloux. Hop, on se débarrasse de tout ça. Hop, hop. Ah, mais ça, c'est bien. J'ai 3 abeilles. Si on peut acheter un rucher tout de suite, on va le faire. Comme ça, on sera bien installé. Hop, bien préparé. Et vous allez voir, le deuxième épisode, il sera très productif. Il va nous falloir acheter un enfumoir, des bocaux. Tout coûte cher, hein. Ah oui, il y a moyen de voler aussi dans les caisses. Ah non, je vais pas vendre ça. J'en ai besoin, je suis pas allé les chercher pour rien. Et ça, je l'ai pas vendu. J'ai pas vendu les pétales. On verra plus tard à quoi ça sert. Je pense à colorer les blocs. Et on a dit une station de multiplication. Pof. Go à l'épicerie. Il y a moyen de se téléporter aussi à la maison, mais je vais pas le faire tout de suite.
Les lumières, je vais en acheter un petit peu plus tard. Et la station, la machine de fabrication de graines, on en achète une. Et ensuite, voilà, on va avoir besoin des plans de travail. On va avoir besoin de la station de fusion. Mais dans un premier temps, on va acheter la station d'ébullition, la station de friture. Comme ça, on va pouvoir faire cuire des patates. Et on sera pas mal. On sera bien, bien installé. Mais déjà, là, on est bien. Hop, on va faire un... Hop, je vous montre. Se les téléporter à la maison. Hop, il fait sombre là-dedans. Et je vais passer... Je vais placer. Hop, hein, hop, là. Si j'oublie des lettres dans mes mots, ça va changer leur sens. On va essayer ça. Hop, et on va le mettre ici. C'est très bien. Et voilà. Ah mince, mais non, je l'ai mis à l'envers. Quelle nouille. Je l'ai mis à l'envers. Paf, 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 pif, paf, pouf, 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 pilou, pouf. Alors, go, ça, ça, ici, ça, c'est comme ça, voilà. Mais alors, oh, t'as la polio quoi, ici, go, ça c'est très bien, voilà, allez, on a les bases. La nuit est en train de tomber, les graines ont été arrosées, j'ai tout arrosé. Bah écoutez, dans le prochain épisode on va défricher la place du village, je pense. Comme on sera bien installé, on partira un petit peu en exploration, je pense, un petit peu plus tard. Donc là on est bien parti, et la nuit tombe et c'est la fin de ce premier épisode. Donc en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt dans votre futur. Allez, ciao, bye.